je rencontre beaucoup de personnes. Si je vous dis que actuellement, moi, mon problème, c'est que j'ai 15 personnes de plus que ce que la liste permet de loger. Donc, d'ores et déjà, ce matin, 91% de la liste était donc mis sur la table et affirmée. Et puis, la confirmation se fera sur les 2 jours qui viennent, puisque nous déposerons vraisemblablement mercredi à la préfecture donc la liste de la Réunion des territoires. Les points forts, c'est que nous voulons représenter la Réunion des territoires, les territoires de la Réunion. Et nous avons envie que la région reparte vers les territoires, ce qu'elle ne fait plus depuis très longtemps. Et cet objectif, c'est de prendre des gens qui ressemblent réunionnaises et réunionnais. C'est de prendre des gens qui agissent pour la Réunion. C'est de prendre des personnes qui ont envie vraiment de travailler pour une Réunion qui, demain, fasse exploser les barblés du Covid d'aujourd'hui qui nous enserre, qui nous empêche de sortir pour qu'on redevienne nous-mêmes véritablement. Et là-dessus, c'est Marcel Puy dans le domaine du sport, c'est Henri-Claude Potin qui est colonel des pompiers et qui, à 55 ans, a aujourd'hui, je crois, beaucoup à montrer parce que la sécurité devient une nécessité impérieuse pour les réunionnaises et réunionnais, que ce soit sécurité alimentaire, sécurité routière, sécurité dans la ville, citadine, etc. et sécurité tout court dans le cadre de l'océan Indien parce qu'il y a des sujets qui se posent et auxquels on n'a pas appris à répondre et qu'il faut le faire désormais. Et nous avons aussi d'autres démarches, la démarche économique, la démarche du développement des terroirs, la démarche de vouloir trouver demain de nouveaux terrains d'expression. Moi, je rêve, et un rêve réaliste, qu'il y ait demain une remise à plat des activités possibles que l'on peut faire justement en cette société post-Covid, pour pouvoir redéployer l'outil de formation que la région construit, mène, mais qui aujourd'hui n'est pas du tout satisfaisant. Nous serons élus en juin, nous aurons les élections présidentielles et législatives l'année prochaine. Ce qui veut dire qu'il faudra proposer, dans le cadre du plan de relance, du plan REACT-EU, etc., proposer un redéploiement à l'État sur un projet nouveau. On a raté l'occasion après les Gilets jaunes. Je pense que désormais, il faut vraiment le faire, tirer ses leçons de la crise sociétale et sociale qui a été la crise des Gilets jaunes et de tirer les leçons de la crise du Covid que nous subit aujourd'hui, que nous n'est pas encore en train de reprendre pour s'en sortir. Il s'agit de dire, Monsieur le Préfet nous propose à vous une nouvelle manière d'assurer la sécurité civile, d'assurer les secours sur la Réunion et dans l'océan Indien. Moi, j'ai été gêné quand on m'a dit qu'ici, on n'est là que pour les évasanes, que les hôpitaux réunionnais ne sont pas réunionnais. Donc c'était un mot malheureux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut au contraire demain positiver les choses. Et dans la sécurité civile, je veux vous dire que j'ai envie demain que sur Pierrefonds soit implantée une base d'hélicoptères de la sécurité civile pour que quand quelqu'un tombe à la mer entre Saint-Leu et Sainte-Rose, on ne lui dit pas d'attendre avant de se noyer, mais qu'on se dise tout simplement que l'hélicoptère de la gendarmerie ne viendra pas, il vaut mieux qu'on déploie justement celui de l'hélicoptère rouge de la sécurité civile. Et ça, c'est notre volonté de nous en sortir.